Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus dans cette prédication, dans ces messages, dans la parole de Dieu. Nous remercions l'Éternel, nous le glorifions, lui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui ne cesse de veiller sur nous, sur nos familles, pendant cette période ici, cette période, ce moment difficile où le monde entier est sous la peur, sous les psychoses, n'est-ce pas, sous la vague, n'est-ce pas, de cette pandémie qui est le coronavirus, COVID-19. Et nous nous remettons à l'Éternel parce que nous savons que c'est l'Éternel Dieu. Il vient toujours au secours de ses enfants et ceux qui se confient en lui, il les délivre même de la mort. Je veux que la paix du Seigneur ait sa protection soit sur chacun d'entre nous, qu'il veille sur nous et que nous puissions être toujours dans la paix et la joie du Seigneur. Merci bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler de Lévitique, chapitre 19, verset 14. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 14, la Bible nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et je parlerai plus de la deuxième partie de ces versets concernant l'aveugle, où on nous dit que tu ne mettras rien devant l'aveugle, n'est-ce pas, qui puisse les faire tomber. C'est la loi de Dieu que Dieu a donnée à Moïse, dit aux enfants d'Israël. Qu'il ne peut pas maudire un sourd, n'est-ce pas, et aussi qu'il ne peut pas mettre quelque chose devant un aveugle pour qu'il tombe. Parce que celui qui fera cette chose-là n'a pas la crainte de Dieu, ne craint pas l'Éternel, il ne craint pas Dieu. Voilà. Mais nous savons que Moïse, lorsqu'il a parlé, il a parlé dans l'ombre. Moïse, il avait présenté la loi. Mais cette loi était, en fait, cachée. Cette loi était voilée. Cette loi-là, tout ce que Moïse a parlé, c'était dans le voile. C'était caché, c'était dans l'ombre. Où il fallait maintenant que nous puissions avoir, n'est-ce pas, entrer dans la foi. La foi qui nous amène donc la révélation, la lumière, l'éclairage des Écritures. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 17, il dit « La loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » C'est-à-dire qu'on lui a donné seulement la loi, non expliquée. Et Jésus-Christ est venu maintenant expliquer la loi. Et quand il parlera, dans Matthieu, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi. » Mais je suis venu accomplir. C'est-à-dire donner le vrai sens. Parce que la façon de battre, de la même manière ici, pour un aveugle. Parce que si on a un aveugle, et que dans cet aveugle, ou bien quelque chose, tu dis que tu te dis que non, moi j'ai accompli la loi. J'ai fait ce que la Bible a parlé. Alors que peut-être accomplir tes abongotés.
Eza selon sens on zambe alobe la kite. Eza oyo bitu an zambe apesa ki mobe koyote. Eza na souci ou penza majeur an zambe, pensé an zambe, okoti penza na pensé na ete, na souci na ete, na volonté na ete. Maintenant, il fallait que nous puissions chercher cette réelle volonté de Dieu pour savoir maintenant to sima tina souka wana an zambe wana, na profondeur, c'est-à-dire to sima penza na monte man zambe. To si sa posa na ye. Quand tu parlais de ces choses ici, tu ne mettras devant un aveugle rien, quelque chose qui puisse les faire tomber. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que cette parole de l'Écriture voulait nous parler? Et nous savons que c'est l'Esprit qui est la vérité. C'est-à-dire, quand nous allons en Esprit, c'est là où nous trouvons la vérité. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit qui est la vérité. C'est l'Esprit qui est la vérité. Je donne par exemple, Moïse a dit, tu ne tueras pas. Et nous savons tous, tuer quelqu'un, c'est prendre par exemple un couteau, je ne sais pas quoi, et enfoncer dans son corps, je ne sais pas quoi, le tuer. Soit par poison, tu es tout, on dit, tu tues. Mais Jésus a dit, il dit non. Moïse vous a dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un dit seulement à son frère, raka, c'est-à-dire imbécile, il a déjà tué. Vous voyez que Dieu avait dit dans le sens de tuer. Mais le tuer là avait une dimension encore plus supérieure qui ne peut peut-être pas être visible. Parce que nous entendons seulement que Moutoua Koufa là, pour que nous puissions dire qu'il est mort. Alors que pour Jésus-Christ, la réalité, la vérité de cette loi, c'est que c'est déjà dans nos cœurs qu'on peut le faire. Alors, c'est pour cela, bien-aimés, nous allons aussi comprendre la vérité, la réalité, n'est-ce pas? De cette loi, il y a côté loco liboso ya aveugleté. Il y a aveugleté au bakou famille sauté pour bakouya. Oui, nous allons rentrer dans les Écritures, dans les livres de Michée, n'est-ce pas? Dans le livre de Michée, chapitre 7. Michée chapitre 7, à partir du 7e verset jusqu'au 10e. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défendra ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu ? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue de rue. Alléluia. Ici, je mets l'accent sur le 8e verset, où on dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons le fait de tomber. Il dit, s'il est tombé, il se relèvera. Alors, ici, le prophète parle. Il dit, n'est-ce pas? Il va regarder vers l'Éternel où se trouve son espérance, que ses ennemis ne se réjouissent pas de sa chute. C'est-à-dire, le fait qu'il est tombé, même s'il chute, même s'il tombe, il va se relever. Il va se relever. Bon, bien aimé, ici, c'est quel tombé? Ce n'est pas le tombé dans le sens que, à quoi il? Non. Ah, tout le monde dit que même si, n'est-ce pas, il ajoute ici, même si j'ai péché. Ah, ici, tout le monde dit que, kokoya, le tomber ici, ils ont dit à chute, c'est-à-dire la chute, na nenge en zotote. Ce n'est pas du point de vue physique, mais c'est le tomber de, c'est l'homme qui est tombé. C'est la chute de l'âme. Parce qu'à l'oubli, attends ce qui n'a quoi, je vais me relever. Dieu va me mettre debout.
Ah, c'est que tout le monde est tombé, oh, oh, tombé, oh, et ça, c'est esprit, il y a âme, c'est-à-dire à partir de quoi? Quand tu l'es tombé, c'est-à-dire ici, il parle du péché. Même s'il pêche, même s'il a péché, à quoi il n'a pas soumou, à quoi il a côté les malissous. Bien aimé, ici, tout le monde est que, ça, c'est quoi, il y a un autre côté. Et ça, c'est quoi, il y a une sounité. Mais ils ont dit que c'est la debout. Alors, tu es debout devant Dieu, c'est quand tu es en communion parfaite avec l'Éternel, quand tu es dans sa volonté, dans sa parole, tu pratiques sa parole, tu pratiques ses commandements et tu es dans la vie de Jésus, la vie chrétienne, c'est-à-dire tu es dans cette vie nouvelle. Quand tu vis la vie de la parole, quand tu vis la vie de Jésus, quand tu marches selon la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que Tokolobake osa debout. Nous dirons que vous êtes debout. Nous dirons que vous êtes debout. Mais quand tu commences à pécher, n'est-ce pas? Quand tu pèches, quand tu as une vie qui n'est pas correcte vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de ta conscience même, c'est que tu as chuté. Tu es tombé. Alors, qui est-ce qui a tombé? C'est ton âme. C'est l'âme qui est tombée, ton âme. C'est-à-dire, Moutou Anzambo Azanakat. Moutou Anzambo Azanakat. C'est pour cela, bien-aimé. Tout le monde a que le fait, il y a Koloba. Le fait, il y a Koloba. Tombé. Barbis, ne met pas quelque chose devant un aveugle pour akweyate. Bisso, ce n'est pas dans les. Ce n'est pas tout le monde qui a Kokweya. C'est-à-dire, hôtelier, par exemple, les Libaya. Otiele Libanga, Otiele un obstacle quelconque, n'est-ce pas? Et nous disons que voilà, tu l'as fait tomber. Non, Tozol Bako tombé, ce que la Bible nous dit, c'est de fait de le faire pécher, de le faire trébucher, de l'éloigner de Dieu. Gloire au Seigneur. Sigoyo, cet aveugle-là, oh, il y a une famille qui est là, oh, tu as une famille. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Tout le monde déjà est tombé. Dieu parle de le fait de chuter dans la foi, d'abandonner la voie de Dieu, de pécher. C'est ainsi que la Bible dit que mon serviteur tombera. Il tombera cette fois. Et cette fois, il se relèvera. Et ça, qu'on tombe en autre côté. Mais pourquoi Mouta tombé? Parce qu'Akoutane est loco. On a mis quelque chose devant lui. Un obstacle. Oui, ça qui a quoi? Tout le monde a su que Mouta so quoi? Oui, a so quoi? C'est votre esprit. C'est l'homme intérieur. C'est-à-dire, oui, Mouta ya bonzambé. Cet homme de Dieu là qui est en vous. L'esprit de Dieu qui est en vous. Cette volonté de Dieu que Dieu voulait que vous puissiez marcher selon cette modèle là. De Mouta na quoi? Ah, gloire à Jésus. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 42, verset 18. Je vais lire Ésaïe 42, 18. Il dit ceci. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez, voyez. 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu? Aveugle, comme le serviteur de l'Éternel? Alléluia. Ah, tout le monde dit, bazoul, bake, non. Aveugle ndenani. Prophète Isaïe, bato azolo aveugle, yo monika aveugle, oyo hôpital. Omoni aveugle, oyo bazana ba centre. Non non. O bazana ba balabala. Non. Mais là il pose la question, oyo aveugle nzamba azolo ba, l'aveugle là c'est qui? Il dit l'aveugle c'est le serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire celui qui devait être censé servir Dieu, nakati na yo. Celui qui devait te servir Dieu, l'esprit qui devait servir Dieu en toi. Maintenant, cet esprit est devenu aveugle. Comme il est devenu aveugle, alors aveugle, il faut que yoke le mawa. Parce que cet homme intérieur-là ne voit plus rien. Pourquoi zo mon athé? Na ébite ce qui va se la kenini. Et c'est pour que maintenant, bah, toi, comme tu es là-bas, on commence à mettre des embûches, bon, les obstacles devant lui. Et chaque fois, il tombe. Chaque fois, il tombe. Il tombe. Ce que bateau va sortir là, ils ont un problème, ils ont les problèmes avec Dieu. Ils ont un problème avec Dieu parce que nous avons un aveugle.
Amen, amen. Donc, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur l'aveugle. Mais qui est aveugle? C'est aveugle, ça, il y a un autre côté. Mais l'aveugle, là, c'est l'aveugle de l'esprit. On dit ici, l'aveugle, c'est le serviteur de l'Éternel. N'est-ce pas? L'envoyé de Dieu. C'est lui l'aveugle. L'esprit qui est en toi, l'homme nouveau, l'homme intérieur qui devrait servir l'Éternel. Mais il est devenu aveugle. Voilà la raison pour laquelle, chaque fois, Ozo kwe akaka. Parce que, Ozo monate. Alléluia. Oui, bien-aimé. Gloire au Seigneur. C'est pour cela. Exode. Toi qui es Exode. Toi, nanano. A comment qui aveugle ndengeni? Ndengeni batwa so koma ba aveugle. N'est-ce pas? Ndengeni batwa so koma ba aveugle. Comment les gens ils deviennent aveugles? Allons dans Exode chapitre 4 verset 11. Exode 4 11. La Bible dit ceci. Exode 4 11. Ndengeni batwa koma aveugle parce que dans le bako waza aveugle po il a connu un accident. Il est aveugle parce que il est né comme ça. Il est aveugle parce que ezabacide. Non, la Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, il dit à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ici, nous voyons que Dieu lui-même se porte garant de rendre les gens aveugles. Il dit à Moïse, il dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend quelqu'un muet ou sourd? Qui les rend voyants ou aveugles? N'est-ce pas, c'est moi l'Éternel qui rend aveugle. Si je veux, je te rends sourd. Si je veux, je te rends voyant. Si je veux, je te rends aveugle. Amen, amen. Donc, tout le monde dit que tout ça va oh, bah, ça va aveugle, on zambé, y'a mon gondé à commis, c'est aveugle. Donc, zambé, mon gondé à commis, c'est banini, bah, aveugle. Ce que on zambé à commis, c'est aveugle, y'a qu'on met qu'à côté là, y'a, bah, bâton, le bosson, t'es pas à quoi y'a. Parce que si on tient le bosson, bâton à quoi y'a, et n'y'a le banini, on zambé à kobang en zambé, t'es. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, tous ceux qui sont sous le canal, sous le Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 9. Tout le monde a les sous plus approfondi pour Makamboyo et Zurbanini. Jean chapitre 9, verset 39. Jean 9, 39. 39 à 40. La Bible dit ceci. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Ceux qui ne voient point, voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Alors, 40, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Amen. Yo si au monde aveugle, là tout, n'as-tu qu'à s'aveugle? As-tu déjà vu un aveugle demander s'il est vraiment aveugle? Parce que si tu es aveugle, tu le sauras. Tu sais que tu es aveugle, tu ne vois pas. Comment tu veux dire que... Dis, est-ce que je pose la question à Jésus. Regarde-moi, est-ce que je suis aveugle? Ça veut dire que cet aveuglement-là, c'est celui Jésus qui est capable de te le dire. Amen, amen. Parce que celui qui rend aveugle, c'est celui qui rend voyant. Celui qui rend aveugle, celui qui rend voyant. Est-ce que nous aussi sommes-nous aveugles? Il demande, un aveugle qui demande, est-ce que je suis aveugle? C'est non-sens. Parce qu'on est aveugle, on connaît qu'on est aveugle. Parce qu'on ne voit pas. Mais comment tu peux demander? C'est que ce n'est pas l'aveuglement physique. Et là, ma kamba molim. De demander que beaucoup de gens, ils croient qu'ils voient. Beaucoup de gens voient qu'ils sont en train de voir, donc ils sont là. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Mais ils disent qu'ils montent, toujours mon. Amen, amen. Et alors, c'est peut-être, oh, en disant ceci, donc, toi, tu n'es pas. Qu'on lui demande un peu, là. Peut-être c'est lui qui saura. Celui qui saura si, réellement, nous sommes aveugles ou bien nous voyons.
Est-ce que nous aussi sommes-nous aveugles? Regarde un peu Jésus. Alléluia. Comme vous pouvez vous demander aujourd'hui, est-ce qu'il y a peine? Non, mais tu t'es dit, oui, je vois, je suis un voyant. Alors que ce que Jésus a examiné, il verra que tu n'es qu'un aveugle. Osaka aveugle, mais aux autres, au monde. Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Alléluia. Bien-aimé, au monde, Jésus habite. Ce qui est aveugle, mais le bosaki n'a pas soumouté. C'est-à-dire, aveugle, il n'a pas soumouté. Mais le col a eu, il a eu, il a eu, Alléluia. Donc, tout le monde qui est là, nous avons la peau aveugle. Nous avons la peau basour. Alléluia. Basour, nous avons la peau de serviteur. Aveugle, nous avons la peau de serviteur. Tout le monde qui est dans Esaïe. Esaïe 42, 18. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est sourd? C'est l'envoyé. C'est mon envoyé. C'est que basour, nous avons aveugle. Mais le problème c'est que nous avons besoin de Moïse. Il y a un peu de Israël. Comment dire sourdé? Alléluia. Parce que sourd, c'est un envoyé de Dieu. Avec le roi, nous avons un obstacle. C'est un serviteur de Dieu. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Alors, tant que vous êtes là, vous n'avez pas à quoi? Il n'y a pas que nous allons opiner parce que en toi, il n'y a pas la crainte de Dieu. Cela veut dire que pour vous, il y a un peu debout. C'est-à-dire, quand il va tomber, cela veut dire qu'il était debout avant de tomber. Or, quand il est debout, il y a une volonté ensemble. Quand il y a une communion avec l'éternel. Donc, il y a cet aveugle-là, il y a un aveugle là, il y a Azaki na katia conformité dans Nzambe. Il était dans la justice, dans la lumière, dans le chemin, dans la vie de Dieu. Donc il était dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était dans cette nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous aviez des péchés, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Ça dit, tant que vous avez un peu de voyant, vous avez un peu. Ah, c'est que vous avez un peu de soumouki. Mais aveugle, vous avez un peu de soumouti. Mais quand vous avez un Alléluia. Vous avez Jésus a dit, je suis venu pour que vous avez un peu de soumouti. Vous avez un peu de soumouti. Vous avez un peu de soumouti. Mais quand vous avez un peu de soumouti, vous avez un peu de campagne. Campagne de miracle. Que les aveugles verront. Les aveugles verront. Mais il oublie que Jésus avait dit dans Jean chapitre 9, verset 39, il a dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Il fallait la campagne, tant que vous êtes aveugle, vous êtes aveugle. Que les aveugles verront, et les voyants deviendront aveugles. C'est ce que Jésus faisait. Ce qu'on y a au monde n'est pas Jésus. Au bon moment, au comme aveugle. On a des lembas qu'on a sacré. Donc tu es naïf. Tant aux autres zonga, aux hommes on a sauté. Bah toi tu ne mais comment expliquer? Toi tu voyais. Maintenant tu ne vois plus comment. J'ai rencontré le Seigneur Jésus. Voilà les lembas. Et que quand toi tu dis que je vois, quand tu dis que moi je ne vois pas, tu rencontres Jésus. Jésus a sali à fongoli au miso. Voilà. Mais Jésus est allé là, dans nos campagnes, dans nos croisades, et ça, il y a un sens unique. C'est-à-dire, il y a un fond avec les mises au monde. Mais il y a un monde. Pourquoi pas ni il y a un. Il fallait qu'ils soient maintenant aveugles. Les voyants là, qui sont venus à la campagne, à la croisade, qui rentrent maintenant aveugles. Parce que Jésus a dit, si on est aveugle, on n'aura pas de péché. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus bien-aimé. Donc, on m'a dit, je comprends pourquoi
Ce qui tokeina, si nous rentrons dans les livres de la Genèse, n'est-ce pas? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 3. Bon, on peut commencer par mon premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du fruit? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Au moins, ma bé a mis ce que vous commandez. Ma bé a mis ce que vous commandez. Amen. C'est que mis ce que vous commandez. Ils ont dit, pour ma bé, non, madame. Voilà pourquoi. Le serpent dit, vos yeux s'ouvriront. C'est que Adam et Ève, dans le jardin, premièrement, au commencement, avant qu'ils ne rencontrent le serpent, ils étaient aveugles. Parce que le serpent dit, vos yeux s'ouvriront. Ça veut dire qu'ils avaient trouvé aveugles. Ils avaient trouvé aveugles. Donc, ça veut dire, aveugles, ça veut dire, et ne connaissant pas le bien et le mal. Jésus a dit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Vous voyez, Adam, Ève, dans le jardin, le corps a pas aveugle. Mais le jour où ils ont vu seulement, le jour où ils ont déclaré que maintenant nous voyons, fini, directement, ils étaient péchés. Ils étaient péchés, ils avaient péché et on les a chassés du jardin. Et connaissant les bien-aimés, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. En bon, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. En bon. C'est que le fruit là était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah bon, on a compris. Donc, les yeux qu'on dit ici, on dit que non, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. C'était l'intelligence. Alléluia. La Bible dit que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, cela veut dire que les yeux là, c'était l'intelligence. Donc, Jésus disait, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. C'est-à-dire, ce qui va intelligence, la bino wana te, fongwa mite, oyamabe wana kuna, boza masumute. Mais le ko la bino bozo fongola maye le wana, yamabe, yangwana masum na bino esali. C'est qu'on parle des yeux de l'intérieur. On parle de l'intelligence. Amen, amen. C'est ainsi que Dieu dit, ce qu'on koutani na aveugle abatou. Cela veut dire intelligence na wana oyo, yakoeba, de connaître le bien et le mal. Et ça fermé, n'est-ce pas? Et ça fermé. Avec lui, il est debout. Il n'est pas tombé. Alors faites attention avec lui. Ne lui mettez pas quelque chose pour le faire tomber. Parce que nous avons dit qu'il faire tomber Moutounaïe. Parce que Moutouane, avec lui, c'est son serviteur. Mon serviteur tombera, mais se relèvera. C'est pour ça que Michel Obi, même si je tombe, mon ennemi ne te réjouit pas. Parce que je vais encore me relever. Je vais encore me relever. C'est-à-dire, le problème c'est que avec Luana, à sa serviteur ensemble, sous Luana, à serviteur ensemble, à sa côté les mains, pourquoi ça a été? Parce que Okozala, maudit et pas ensemble. Ah, gloire au Seigneur. C'est comme Adam et Ève. Ils étaient avec là-bas dans les jardins. Mais, Yoka, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Bon, les gens disent ici, non, Satan a causé Kibangu. Mais il n'a pas menti. Satan n'a pas menti. Il a dit, quand vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Mais au contraire, vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Mais qu'est-ce qui s'était passé à la fin? Mais Dieu a dit, vous mourrez. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais tout le monde dit, après, ils ont mangé. Après avoir mangé, il fallait qu'il lui meure. Parce qu'après avoir mangé, il fallait qu'il lui meure. Pour tout le monde, entre Nzambe, dans Satan, dans la vérité. Parce que Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ok. Le serpent dit, non, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront. Maintenant, on doit maintenant voir quelle est la parole véridique. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir mangé? Mais nous voyons ici verset 7. Verset 6. La femme, n'est-ce pas, elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus
Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vint le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit, où es-tu? Mais ah, n'a aucun moi. Zamba l'bibo koufa. Ce que Zamba benigo benga bato basi bakoufi. Amen, amen. Zamba benigo benga bato. Il commence à appeler ceux qui sont déjà morts. Alors qu'il a dit que vous mourrez. Mais le serpent dit non, vos yeux s'ouvriront. Mais on dit ici, effectivement, les yeux se sont ouverts. Donc, tout le monde a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était des langages. Non, c'est le même langage. Donc, pour Dieu, quand tes yeux s'ouvrent là, quand les yeux là s'ouvrent là, Dieu a anticipé, c'est que ces yeux-là vont t'amener où c'est? Vont t'amener à la mort, c'est-à-dire au péché. Le fait que vous dites que vous voyez, le fait que vos yeux sont ouverts, ces yeux-là vont vous amener à pécher et le péché vous conduira à la mort. Donc c'est pour ça que Dieu a dit directement la finalité. Il a dit directement la finalité des choses, c'est quoi? Quand vous mangerez, vous mourrez. Mais ne s'est pas dit non, vos yeux s'ouvriront. Mais ils ont dit la même chose. C'est pas ce qu'ils voulaient dire aussi. Vous mourrez aussi, effectivement. Parce que quand vos yeux vont s'ouvrir, c'est-à-dire quoi? L'intelligence là, et vous allez connaître le bien et le mal, c'est-à-dire vous allez pécher. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Et il a dit, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. C'est-à-dire Adam na Ève, na Katia Jardin. Ici, leurs yeux là, c'était les yeux spirituels. Et Zahir Makambozo Sama na Katia na Ebango, na intelligence. Tout est dedans. C'est-à-dire, le serpent est venu, c'était dedans, dans l'homme lui-même, à l'intérieur de lui. Qu'il est venu dire à Adam, qu'il est venu dire à Ève, à l'intérieur de lui-même. Et les gens projettent que c'est un jardin, Nakati Azamba, Mogoboye, Bafandi, serpent, yé. Non! Ça se passe spirituellement, même Nakati Nayo. Et quand ce serpent arrive en toi, il ouvre l'intelligence, il ouvre les yeux. Parce que la Bible dit ici, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais là, on parlait, vos yeux s'ouvriront. Mais la femme a vu que c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ça, pendant que vous avez mis les yeux physiques ici, ils sont allés côté. Parce qu'il y a des gens qui dorment, mais ils sont allés. Ils dorment les yeux ouverts. Mais au moment, ils ont les yeux ouverts comme ça, mais ils dorment. Mais au moment, ils ne voient rien. Mais les yeux sont ouverts. Cela veut dire que c'est les yeux intérieurs là qui n'est pas là. Parce qu'aussi longtemps que ces yeux-là sont fermés, n'est-ce pas? On peut tout mettre là-bas, tu ne vas pas prendre. Mais quand seulement ces yeux vont s'ouvrir, c'est à ce moment que ça utilise. Oh, ils ont un instrument. Ils ont un instrument, les mains, tout ça, c'est l'instrument que l'homme intérieur utilise. Au même titre comme la voiture, au même titre comme tu utilises, je ne sais pas, un outil quelconque pour prendre quelque chose, au même titre que tu utilises la montre pour regarder l'air, au même titre que tu utilises, je ne sais pas quoi, un couteau, tout ça. Le couteau n'a rien à voir. Le couteau n'a jamais péché. Tu ne diras pas que c'est couteau pêche parce que là, tu es beaucoup de gens. Non, le couteau n'a rien à faire. C'est toi. C'est-à-dire, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas les mains, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ça. Non. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, nous voyons que nous parlons de l'aveugle. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu vient vers nous, elle nous trouve déjà voyants. Elle trouve nous voyants. Batazo, moi, on a déjà. C'est-à-dire, Maïe, le one, l'inter. Alléluia. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Éphésiens, oui. 17. Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous parlons des yeux du cœur. Nous parlons des yeux du cœur. Cela veut dire que, en fait, quand Satan arrive, ou le serpent, il peut ouvrir les yeux là, que lui veut que ses yeux soient ouverts.
N'est-ce pas? Parce que ce que on dit ici, ça nous donne l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. N'est-ce pas? Dans la connaissance de la parole. Donc il fallait que ses yeux la s'ouvrent. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu vient, il ferme, il vient, vous trouve déjà voyant. Quoi? C'est l'autre, les autres, c'est-à-dire les autres sagesses du monde qui sont en activité, qui sont en action. C'est-à-dire la sagesse du monde et les révélations de ce monde, n'est-ce pas? La connaissance de ce monde. Ce sont ces yeux-là qui sont ouverts. Et ça vous conduit au péché. Ça vous donne la mort. Mais quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, quand Jésus entre dans votre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il ferme ses yeux-là. Les yeux de ce monde. L'intelligence charnelle, l'intelligence humaine, l'intelligence pour faire du mal, l'intelligence pour causer du tort. Trop de connaissances, trop de sagesse intelligente, de savoir, de révélations pour nuire. Et il ferme cela, et vous sentez en vous. Maintenant, il dit, je suis venu pour que ceux qui voient ne voient point, mais ceux qui ne voient point voient. C'est-à-dire, il ouvre maintenant les yeux, c'est-à-dire cette intelligence divine, cette sagesse divine, n'est-ce pas? Cette connaissance, n'est-ce pas? Spirituelle, n'est-ce pas? Cette intelligence de Dieu. Et voilà, c'est ce que la parole de Dieu effectue. Voilà pourquoi le roi David, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le roi David, il disait, il a beaucoup imploré l'Éternel. Il avait compris ces choses ici. Il a compris ces choses dans Psaume 119. Psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18, il a compris ces choses. Il implorait l'Éternel. Il a dit ceci. 17 et 18, il dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Alléluia. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Gloire au Seigneur. Ouvre mes yeux. Est-ce que le roi David était aveugle? Il ne voyait pas. Comment il dirigeait? Quand il a dit ça, est-ce qu'il ne voyait, personne? Ouvre mes yeux. C'est-à-dire, ce sont ces yeux-là. Les yeux de Dieu. Les yeux pour voir. C'est-à-dire, le merveille de la parole de Dieu. Les merveilles de sa grâce. Voilà. Donc, nous parlons de la dimension spirituelle. Nous parlons de cet aveugle-là. N'est-ce pas? Cet aveugle qui est un serviteur de Dieu. Cet aveugle qui est un envoyé de Dieu. Il est aveugle et en même temps sourd. C'est-à-dire, il est sourd dans les choses du monde. Il est aveugle dans les choses du monde. Parce qu'il a maintenant, là, il marche, il est debout. Maintenant, la Bible dit, alors, faites attention donc de ne pas mettre quelque chose, n'est-ce pas, devant cet aveugle. Je vais encore relire notre thème, c'est-à-dire notre verset phare, Lévitique 19, n'est-ce pas? Cette loi, ces commandements que nous avons voulu saisir l'essence, n'est-ce pas? Saisir la portée, n'est-ce pas? Lévitique 19, 14, où il dit, tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse les faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, cet aveugle, c'est le serviteur de Dieu. Et que nous devons éviter celui qui est déjà debout, n'est-ce pas? Celui qui avait comme Adam et Ève, qui était là-bas dans les jardins, c'est-à-dire dans la communion parfaite avec Dieu, et le serpent est venu mettre quelque chose pour les faire tomber, n'est-ce pas? Quelque chose pour les faire tomber. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a ouvert les yeux du monde. Il a mis la loi. C'est ce que les gens font. Quand on nous prêche la parole charnelle, ça fait tomber les âmes. Ça égare le peuple de Dieu. C'est-à-dire, ici on parlait, Moïse, Dieu a donné cette écriture, cette loi, juste aux prédicateurs. Bissonde basali, bissou ma prédicateur, tozotia, ma bakou, libosse à batou. Pour libosse à batou, pour bakouya. Parce que, et là on est tozotia, mi beko, tozotia, lilobanzoto. C'est-à-dire, quand tu prêches une parole qui n'a pas la révélation, qui n'a pas la vraie connaissance de Dieu, en fait, c'est quelque chose que tu mets devant quelqu'un, il finira par tomber. Tu le fais, tu vas le faire tomber parce que, et là, tu es là, 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 et là, tu es là,
C'est-à-dire une l'ignorance oui aux autres les bosser à mon cette ignorance va les faire chuter. Aujourd'hui qu'est-ce que les gens disent? Ah, masum masnani la chair est faible. La chair est faible. Ma chair est faible. Masum est si la caté. Ouais, déjà quand vous dites ça, au sautier déjà obstacle. C'est maintenant vous allez dire maintenant vous les prêchez pourquoi? Maintenant, pourquoi vous les prêchez? Pourquoi vous prêchez la sanctification? Pourquoi vous prêchez, non, venez, Jésus, tout ça, il va pardonner vos péchés. Il a ôté les péchés. Mais vous dites déjà que Massoum est la caté et la chair est faible. Vous voyez que, c'est sans connaissance, sans révélation. À quel moment Jésus avait dit que la chair est faible, l'esprit est disposé, mais la chair est faible? C'est parce que Jésus était encore avec ses disciples, il n'avait pas encore été à la croix. Parce que Jésus, c'est le chemin. Il nous a montré que, voilà, l'homme peut venir et puis marcher jusqu'à aller à la croix. C'est pour ça qu'il nous invite aussi de le suivre jusqu'à la croix. Mais comme je ne suis pas encore arrivé à la croix, j'ai encore la chair avec moi. Ça va toujours constituer une occasion de faiblesse. Mais l'esprit est là, la parole est là, mais j'ai encore. Mais une fois, je vais être à la croix avec lui. Parce qu'on dit que tous ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié leur chair et leurs désirs. N'est-ce pas? Ils ont crucifié leur chair et leurs désirs. La Bible nous dit cela. La Bible dit encore, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont baptisés en Jésus, c'est en sa mort qu'ils ont été baptisés. Ils ont crucifié le corps du péché, le vieil homme, pour marcher dans un esprit nouveau, dans une vie nouvelle. Ils sont morts. N'est-ce pas? Ils sont devenus même plantes avec lui en sa mort et même plantes avec lui à sa résurrection. Maintenant, ils étaient encore à Gethsemane. Cela veut dire que ils ont étape. Nous autres, ils ont un bango. C'est normal, les autres, ils ont sa chair là, c'est même pas la viande ici. Oh, la chair est faible, c'est pas ça. Oh, ils ont la faiblesse. Parce qu'aussi longtemps, yo, par exemple, tu es là. Vous habitez que Kuna, j'ai mis l'argent quelque part. Je peux t'envoyer maintes reprises place Swana pour prendre quelque chose. Aussi, tu sais qu'en dessous de cette chose-là, il y a de l'argent. Mais le jour où tu prendras connaissance que il y a l'argent en dessous de là où tu viens prendre quelque chose, c'est à ce moment que, quand tu auras la connaissance qui va ouvrir maintenant ces yeux-là, que tu auras maintenant cette envie à te pousser à prendre cet argent ou à voler. Mais le bon que Simba a place soi. Comment cher Angouza faiblité, Simbiwa n'hésite. Amen, amen. Bien aimé. Donc, tant que la chair est faible, ça a été. La chair que nous devons crucifier, ça a été un bon côté, que vous crucifiez Angou. Non. Ce que nous crucifions, la chair, nous avons dit, c'est Galates 5, 19. Voici les œuvres de la chair sont manifestes. Cela veut dire que quand on arrive à la croix maintenant, quand maintenant nous mourons avec Jésus, il n'y a plus de chair. Il n'y a plus de chair parce que nous avons crucifié la chair. Maintenant, où est la chair là qui sera faible? Parce qu'elle n'existe plus. Alors, tant que vous êtes à l'Ilobandengwana, la chair est faible, frère. Nous sommes malades, nous avons tout et tout. Maintenant, nous sommes à l'Ilobandengwana. Pourquoi? Il fallait fermer la Bible, fermer les églises. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes conscient que vous êtes aussi là. Maintenant, tu prêches pourquoi? Tu nous dis pour faire quoi? On t'a mis, on laisse tomber, on attend le dernier jour. Dieu seul, dans son amour, dans sa gloire. Dans sa, n'est-ce pas, sa miséricorde. Laissons voir, à la fin des comptes, au lieu de se poumoner. Maintenant, vous poumonez pourquoi? Alors que Massoum est si la gâté. Bon, finalement, mais Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a foutu? Donc, il a fait du théâtre. En venant dire que non, tout est accompli. Il est venu ôter les péchés du monde, comme le dit dans 1 Jean 3. L'épître des gens. Il est venu ôter les péchés du monde. Maintenant, et ceux qui sont en lui ne pratiquent plus les péchés. Maintenant, vous dites, non, ils ont orienté. Voilà, la Bible dit ceci. Si quelqu'un dit n'a pas de péché, il lui mentait. Mais est-ce que, lorsque vous lisez cela, vous le lisez à quel moment? C'est à quelle étape de la vie spirituelle? Parce que le chemin, il y a alpha et oméga. Il est à quel niveau? Au milieu, ou bien au début, ou bien à la fin? Donc, le problème, c'est que, côté à bâtonté, c'est-à-dire les mauvais enseignements. Autres autres ali bosser à Batou. C'est ceux qui font tomber bana ensemble. C'est nous. Et Dieu dit, je vais vous maudire. C'est une abomination. Ne mettez pas, n'est-ce pas, les bâtons devant
un aveugle. Et quand il va tomber, Nzambe a commandé Rio. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Et les bâtons qu'il mettait, quoi? C'était la loi. C'était la parole voilée et non expliquée. Quand la lettre, quand Nengo Tangi, Nengo Komi. Donc la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Directement, tu as mis un bâton. Les gens de sa maison, c'est sa maison ici. Les gens, c'est ceux qui sont habités avec toi. Ce sont ces gens-là. Au moni, les faux enseignements, les enseignements charnels, la parole charnelle, il y a un peu de sabbatou. Parce qu'il y a l'ignorance dedans. C'est ce que le serpent avait amené. Il a amené un autre enseignement. Il a amené un autre fruit. Parce que les gens disent, oh, le fruit là, c'était le rapport sexuel. Non. Non. La Bible dit, c'est au fruit, n'est-ce pas? C'est au fruit de tes lèvres. La vie et la langue sont, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera le fruit. Ce n'est pas qui donne la mort. C'est la parole. Soit une parole de vie qui est Jésus, ça donne la vie. Soit une parole, n'est-ce pas, de mort qui donne la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux fruits. Voilà pourquoi, bien-aimés, que Dieu vous bénisse donc. Et nous devons faire un effort pour que tout sera toujours debout et que nous puissions toujours être ces aveugles-là de Dieu qui sont debout dans le Seigneur. Et maintenant là, nous voulons que Misuna Yohana, Yamolimo, Yabonzambe Fungama. Parce que quand tu vas voir quelqu'un te mettre un bâton, n'est-ce pas, un obstacle devant toi, quelqu'un va les animer, au tali ansema ou ezama b, directement au moniango, n'avance pas parce que koko yanango. Ça va faire tomber ton âme. Ça va faire chuter ton âme. Aujourd'hui, les gens se complaisent à faire n'importe quoi. Ils s'appuient sur des versets bibliques. Parce qu'on appelle ça qui est bâton. Ils s'appuient sur ceci. Même la Bible lui-même dit ceci. Jésus, il était entré dans un temple, il avait fouetté les gens. Il s'est mis en colère. Alors moi aussi, j'ai mis en colère. Même la Bible dit ceci. Abraham s'était séparé avec Lot. C'est pour ça que moi, je me suis séparé avec ma famille. Parce que ma famille, c'est Lot. Est-ce que... Tout ce que tu affirmes là, est-ce que tu comprends vraiment la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends cette révélation? Tu comprends la sagesse, la pensée de Dieu dedans? Voilà les faux enseignements, les enseignements charnels de ce monde, les divers enseignements. Les autres, les autres, ceux qui n'ont pas de théologie, ceux qui ont appris, ils ont bébé Samili, ils ont appris Sarabitsu. Il y a déjà, et pas Moïse, que nous devons éviter, n'est-ce pas, que enseignement modèle pour faire tomber Bana Nzambé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous nous retrouvons prochainement, c'est-à-dire le vendredi prochain, dans un autre thème. Que Dieu vous bénisse.